Si un côté, le noir, d'un triangle est prolongé, l'angle extérieur, rouge et noir, est égal à la somme des deux angles internes opposés, le jaune et le noir. Et la somme des angles internes du triangle pris ensemble est égale à deux angles droits, autrement dit de nos jours 180 degrés. Voilà la démonstration en couleur. Par le point à l'intersection de noir et de jaune, celui-ci, allez, on va l'appeler A comme de nos jours, on trace la parallèle bleue à la rouge. Alors, l'angle rouge égale l'angle bleu, angle correspondant, comme on dit de nos jours. L'angle noir égale l'angle noir, angle alterne interne, comme on dit de nos jours. Donc, jaune plus noir égale rouge plus noir. On vient de démontrer que cet angle extérieur est égal à la somme de deux angles internes non adjacents, comme on dit de nos jours. De nos jours, cette démonstration se fait comme ça. Triangle ABC, on prolonge BA, cette droite parallèle à celle-ci, on obtient deux angles alternes internes, de même mesure, X, X, et deux angles correspondants, de même mesure, Y, Y. Du coup, l'angle extérieur, celui-ci, CAX, il est égal à la somme de deux angles intérieurs non adjacents. L'angle CAX est égal à ACB plus ABC. La proposition 32 du livre 1 d'Euclide, présentée ici en version coloriée de 1847, cette propriété est très utile dans divers problèmes.